Bonjour et bienvenue dans Entre du Cafard. Aujourd'hui, on attaque le sixième épisode du Let's Play XCOM Enemy Within. Dans le dernier épisode, on a commencé une mission pour aller enquêter sur un convoi français qui a été attaqué par des humains apparemment, et on a intercepté un survivant qui fait probablement partie des attaquants et qu'on doit ramener jusqu'à tout là-bas. Là d'où on vient en fait. Mais ça m'étonnerait que ce soit très très simple, à mon avis on va avoir de nouveaux ennemis qui vont apparaître. On a deux types sur les toits, on va essayer de les garder en vigilance histoire de se préparer à toute éventualité. On va avancer des troupes, on va essayer de rester un maximum sous couvert complet. En particulier notre type qu'on peut déplacer là, qui a une seule capacité, protection, qui améliore sa défense. Donc ça doit être une version civile du position défensive. Donc on va essayer de garder tout le monde sous couvert complet, peut-être même dans les bâtiments, pour éviter Commandant, les tirs de l'extérieur. D'autres ennemis approchent de la zone. Ah bah voilà. Une allumette ici en vigilance, tiens ils font des vigilances aussi. On en a un autre à l'extérieur, donc on en a deux pour l'instant. Ah, notre sniper qui fait un tir de réaction. Joli. Il est efficace ce petit sniper. Donc, on en a encore un ailleurs, je vois pas où il est. Il est censé être sur le toit, pourquoi on le voit pas? Il est censé être juste là. Le problème c'est que si je m'avance, je vais sûrement me prendre un tir. Donc je m'arrange juste là. Ok, c'est bon. On a évité le pire. Maintenant tu loupes pas. 79%, t'as pas intérêt à louper sinon tu te prends un tir dans la tronche. Allez, confiance en toi Melchi, me fais pas défaut. Voilà, bien. Bien, 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 bien. Pour l'instant, tout va bien. Du coup, il doit pas y avoir d'ennemis en place pour l'instant. On va peut-être avancer. Toujours rester à couvert. Hein. Demi-couvert, peut-être. Ça suffira pour cette fois-ci. Pour l'instant, ça va. S'ils apparaissent deux par deux et qu'on peut leur tirer dessus avec les hommes des toits, c'est bien. Toi, tu retournes en vigilance. Toi, tu vas avancer. On va retourner la caméra maintenant qu'on retourne par là. Jusqu'en couvert ici par exemple. Non, là. Non. Non. Ça, c'est un demi-couvert, j'aime pas trop ça. Là, c'est incomplet, mais tu vois rien de l'extérieur. Allez, ici. T'ouvriras la porte au début du tour suivant. Et puis, bah, toi, tu vas avancer. Ce n'est que le même endroit. Juste une question de... Soyez prudents. On a un prêcheur de l'apocalypse. Ah, un sectoïde. Et un autre sur eux-même, toi, ça c'est pas cool, cool. Tire réflexe, vas-y. Bute le sectoïde là, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Ok, on est pas mal pour l'instant. Ensuite... Tu peux essayer d'abattre l'autre, est-ce que t'as beaucoup de chance de le toucher? Le problème c'est que t'es pas du tout à couvert. Si? Ah si, ça compte. C'est ce petit truc là qui compte. T'es bien placé en fait. Eh bah tu vas essayer de te faire, vas-y. 68%, bien joué. Quand il y a une petite cinématique, c'est que ça tue. Hop là. Il est mort, je confirme. Super efficace notre sniper. Bon. Melchi, il va falloir que tu changes de position. Tu vas aller là. Position confirmée. Et puis vigilance. Et nous on avance. Alors, où est-ce qu'on avance? On peut aller jusqu'ici. Ok, je bouge. On devrait être pas mal là. On peut ouvrir cette grille? Je sais pas du tout. Toi, il faut que t'avances aussi. Pas la même erreur qu'en début de mission, on met pas quelqu'un sur le toit du tank. Alors, tu devrais être pas mal à couvert là. Et toi, du coup, tu vas avancer là. Mais oui, on est des pantins, hein, c'est bien. On a un illuminé avec nous. On va recharger là. Bon. Parce qu'on a plus beaucoup de munitions. Et toi. Ah, mais c'est un nouveau tour? Il s'est rien passé? Ok. Je suis de retour. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Alors, où est-ce que tu vas, toi? On peut pas mal avancer là. On va essayer de se mettre là. 5 sur 5. On y est presque. On y est presque. Pas de bêtises. Où est-ce que tu peux te mettre? Ça c'est un couvert complet mais pas du bon côté. Tu vas te mettre à la limite tu vas te mettre là et tu vas te mettre en vigilance.
sera peut-être le mieux à faire. Parce que sinon, on n'a personne d'autre en vigilance. Vous toi, perdez tout votre temps. Mais oui, allez, continue à raconter tes conneries. En attendant, tu vas rejoindre notre autre soldat là-bas. Strike One, les ennemis se rapprochent de votre position. Qu'est-ce qu'on a? Une allumette. Vigilance, où il nous voit là. Il nous voit par la baie vitrée. Il nous flanque même. Faut pas le louper. Faut pas le louper. Toi, tu peux pas le toucher. Allez, sniper. Vas-y. Encore un autre à tuer. Fallait bien que ça arrive. Vous pouvez pas réussir éternellement. Alors, toi, est-ce que tu peux. Le problème, c'est que si tu bouges, t'es foutu. Vas-y, tire. Ouais! C'était pas gagné là, une chance sur deux et après on avait plus personne à proximité. Allez fonce, fonce, qu'est-ce fonce, fonce, que fonce. Vous voulez prouver? Bah on veut prouver qu'on peut repousser vers l'invasion extraterrestre. Faites ce que vous voulez, je ne dirai rien. Excellent travail. Ah mais on n'a pas besoin que tu parles. Coopératif pour l'instant, mais je pense que discussion avec le docteur Valen le fera changer d'avis. Les discussions avec le docteur Valen sont toujours un succès. T'as pas besoin de parler là. On va utiliser les mêmes techniques d'interrogatoire qu'avec les aliens. Ça sera efficace. Retour à la base. Bon, pas une bonne petite mission. Ça s'est bien passé. Oh, il y a des promotions. Ah, on a, ah oui, c'est vrai qu'on a 3 blessés. 5 jours, 9 jours, 9 jours. Ouh. Pas génial ça. Alors, notre cadet est devenu commando. Ok. Notre sniper est devenu sergent. On a le choix entre tir optimal, donne 2 dégâts de bonus pour les pistolets. Mouais. Ou position stratégique, visée plus 10, défense plus 10 contre les ennemis en contrebas, en plus des bonus de hauteur habituels. C'est pas mal ça. Ça veut dire que si on met notre sniper sur les toits, il sera encore plus efficace. Parce qu'honnêtement, les pistolets, c'est pas très puissant. Hein. Et Melchi a été promu aussi. Melchi a le choix entre roquette perforante. Tire une roquette qui augmente de 33% tous les dégâts subis par les ennemis pendant 4 tours. Les dégâts explosifs de cette roquette sont inférieurs à ceux d'une roquette normale. Mouais. Ou suppression. Déclenche un barrage qui immobilise la cible, permettant d'effectuer un tir réflexe contre elle et infligeant une pénalité de visée de 30. C'est pas mal ça. Ça peut nous permettre de protéger nos autres soldats. C'est cool. On va prendre ça. Et puis voilà. Médaille Croix Internationale du Service. Visiter la caserne pour choisir une capacité spéciale pour cette médaille renommée et la décerner à un soldat. Ok. Et Médaille du Défenseur, d'accord. On a des cadavres et des fragments d'armes, pas grand chose. Ah, jolie la récompense. Des sous, scientifique ingénieur, ça va nous être utile. Nous vous recontacterons, commandant. Commandant. Vous pouvez désormais décerner à nos soldats les médailles que vous estimerez adaptées à leurs exploits. Pour ce faire, rendez-vous à la caserne. Ben on va faire ça tout de suite. Caserne... Commandant, on manque de soldats médailles. Pour remplacer les pertes qu'on a subies. Ce serait le moment d'en recruter davantage à partir de la caserne. Ça peut être une bonne idée, tiens, on va recruter des nouveaux. Alors, médaille du défenseur. Pouvoir choisi... Aimer de quitter le brouillard réparateur rendre 2 PV supplémentaires lorsqu'ils sont utilisés par les soldats. On avait déjà choisi un pouvoir pour ça aussi, d'accord. Où est-ce qu'on va la mettre je pense que on peut commencer à les mettre à Melchi. Ok, ok. Et à notre sniper, qui était assez efficace aussi. Ok, et autre médaille, Croix Internationale du Service. Volonté plus 2 par nationalité différente dans l'escouade ou visée plus 2 par bonus de continent remporté par XCOM. La visée, ça me semble plus intéressant que la volonté. Sur le long terme, c'est peut-être une mauvaise idée. On risque de rencontrer plus d'ennemis psioniques dans le futur, mais là, ça m'a l'air plus intéressant de la visée. Et on va la donner au sniper. Hein. Plus de visée pour le sniper encore, ça me semble intéressant.
Cool. Alors, combien de gens on a dans la caserne? 12. Non, 11. En effet, on n'en a pas assez, on va en recruter. On va en recruter jusqu'à en avoir, je sais pas, 25 par exemple. Il n'y a pas d'entretien, donc on peut le faire. C'est parti. Quoi d'autre? Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Maintenant qu'on a des sous, on pourrait peut-être faire un petit projet de la fonderie, là. C'est pas génial, hein. Il nous faudrait 200 pour faire ça, plutôt. En temps de guerre, il y a toujours un leader, un général. Quelqu'un qui donne les ordres. Les extraterrestres n'échappent pas à la règle. Je me demande quel genre de pouvoir ou d'autorité est nécessaire pour commander une telle variété d'espèces. Et qu'est-ce qui les pousse à obéir? Excellente question à laquelle on répondra bientôt, j'en suis sûr. On n'a pas beaucoup de soldats encore. J'espère qu'avec le recrutement, on aura plus de choix de nationalité et compagnie pour renommer les membres d'équipe. Ils mettent combien de temps à arriver? 3 jours? Ben voilà. Dans 3 jours, je ferai une petite pause pour y renommer. En attendant, on va surveiller l'activité alien. Enlèvement signalé. On suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'Hologlobe. J'ai enregistré les coordonnées. Alors, on a le choix entre l'Argentine. C'est difficile, difficile ou très difficile. Ça va être marrant. On a le choix entre l'Argentine, l'Allemagne ou l'Égypte. L'Egypte est déjà à 2, on va juste prendre le temps de regarder salle de surveillance. Où est-ce qu'on a des problèmes? On a des problèmes en Asie et en Afrique. Mais l'Asie c'est plus important là, donc il faut qu'on agisse en Asie si on peut, sinon en Afrique. Donc on a dit Argentine non, Allemagne non, Égypte du coup. C'est parti pour l'Egypte. La mission est la plus difficile bien sûr, sinon ça serait pas marrant. Et par contre, on n'a pas grand monde. Parce que tous nos... À part notre sniper, qui est déjà sur pied. C'est le seul qui n'était pas blessé, je crois. Les autres, ils sont en mauvais état. Donc on a deux nouveaux. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme nouveau à la place? On va mettre celui-là. Et ici, on va mettre... peu importe. Ok, donc, médic avec un medkit normal. Sur un de nos nouveaux, on va mettre un électroflux. Et sur l'autre nouveau, qu'est-ce qu'on va mettre? On a le choix. On a le choix. Soit on essaie de faire efficace et on prend un scope. Soit on se dit qu'on a besoin de capturer plus d'aliens et on prend un électroflux. On n'a pas une super escouade là, c'est un peu dangereux de prendre un autre électroflux. Excellente question. Non, on va lui mettre un... Non, on a dit que c'était la politique de XCOM. Les nouveaux avec des électroflux. On verra ce que ça donne. C'est sûrement très risqué. C'est même pas sûrement très risqué. C'est très risqué et ça va sûrement nous coûter cher. C'est parti pour l'Egypte. Le vaisseau est arrivé. On va vous déposer à la frontière égyptienne. Pourquoi la frontière? Les forces de l'ordre locales ont signalé une attaque d'extraterrestres sur un quartier à forte densité de population. Ils comptent sur nous pour aller y mettre de l'ordre. Ah, j'aime bien. C'est une zone à forte population, mais il n'y a pas de civils présents. Heureusement. Mission d'enlèvement, pas de civils. C'est cool. C'est marrant comme façon de descendre. Centrale, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Alors, première question. Rapace. Comment toi, tu Je peux monter sur le toit? Sur 5. Strike One, alpha vert pour se déployer. Comment est-ce que notre sniper peut monter là-haut? J'en ai aucune idée. On a de la mêlée à récupérer. Hein. On a de la mêlée à récupérer, mais on va pas prendre de risques inconsidérés pour autant. Donc, premièrement, à couvert. Il y a personne. Personne de chez personne. On voit pas jusqu'au bout, gaffe. Pareil pour toi, à couvert ici. Ça roule.
Les deux petits nouveaux. Allez, je t'avance. Ok, l'intérieur du bâtiment est clean. On pourra monter par ici. Donc, tu vas te mettre... toi, t'es quoi? Toi, t'es un des nouveaux. Tu vas sprinter jusqu'à la voiture. J'y suis déjà. J'ai quelque chose ici. J'ai le matos en visuel. Oups. Oups, des trackers. Du coup, les couverts ne servent à rien. Tu vas te mettre en vigilance. Et toi aussi. Priorité, s'occuper des deux trackers là et récupérer le conteneur de mêlée, si possible. Allez, tir réflexe. Vas-y, vas-y. Ça a 5 PV, hein. Ça m'étonnerait qu'on arrive à l'avoir tout de suite. Loupé, et complètement loupé. Là. Et l'autre, il fait pas un tir de suppression? Non. Génial! Notre petit nouveau, il prend déjà cher. Vas-y, un petit coup critique là, tu peux le faire. Ouais! Bam! On n'est pas trop mauvais là. Tu vas du coup te mettre en vigilance pour le prochain. Et toi, t'es tout seul. C'est pas une bonne idée de te laisser tout seul. C'est pas une bonne idée, tu vas ressortir, tu vas aller là-bas. J'y suis déjà. Vas-y, pète la fenêtre, écoute, hein. De toute façon. Je pense qu'on n'est pas à une vitre près. Pourquoi il a bougé lui? Pourquoi il bouge? Qu'est-ce qui se passe? Il claque des doigts. Bon. Faut pas se moquer, il est probablement mort. Mon avis, c'est qu'il y a un tracker qui est passé dessus. Donc, par groupe de deux... c'est tentant. T'es un nouveau, c'est pas grave si tu meurs. Oui. Ennemis en vue. J'ai rien dit, c'était pas moi. Pas fait exprès. Ok, bon courage pour survivre à ça, écoute. Hein. Est-ce qu'on a quelqu'un pour te couvrir? Pas vraiment. En plus, t'es flanqué. Bon, bah, je crois que tu vas pas tenir longtemps. C'était un petit peu idiot parce que du coup, je suis pas sûr qu'on arrive à obtenir le conteneur de méga temps si tu meurs. Est-ce que je pourrais te sauver la vie? Ah, même pas. Je peux même pas te sauver. C'est vraiment idiot ce que j'ai fait. Là. Allez, t'as juste 3 tirs à survivre. Tu peux le faire, tu peux le faire. Regarde, il y a même le soldat Walker qui essaie de te sauver et qui s'en sort pas mal. Allez, plus que deux. Ok. C'est quoi cette petite réunion de sectoïdes là? Encore 5 sectoïdes et le tracker qui est là sur le sniper. Merde, il va falloir qu'on protège le sniper. Ouch. Ok, esquiver un tir, plus qu'un seul à esquiver, tu peux le faire. Oh, il essaie de prendre de la hauteur. Je savais que j'aurais dû garder des grenades. Ah bah il tire même pas. First thing first. On essaie d'abord de sauver le sniper. 63% c'est pas assez, t'avances. 80 c'est mieux, vas-y. Voilà, on a eu les deux trackers, le sniper est en sécurité. Toi tu prends la mêlée. Toi tu te mets en... Tu te mets là et tu recharges. Tu te mets à couvert parce qu'on a des sectoïdes maintenant. Toi tu restes pas là, tu te casses le plus loin possible, tu pars là-bas. Bien sûr, je bouge. Si on récupère qu'un seul conteneur de mêlée, c'est suffisant. Et toi tu restes à couvert. Ouais, tu pourrais t'avancer un petit peu. Non, on a déjà capturé des sectoïdes. Est-ce que ça vaut le coup d'en recapturer? C'est une bonne question.
Non, reste là. Et deux, un. Vas-y, vas-y, regroupe pas, regroupe pas. Ah, dommage. Dommage, dommage. Le dernier, tu l'avais eu. Tu t'en sors quand même pas mal. Ah. Petit pouvoir psy. C'est un peu idiot pour lui d'ailleurs, il a un PV et il nous offre une chance de tuer son pote. Ils sont 3 à l'intérieur. Allez, sniper. 53% seulement, c'est du couvert complet, c'est un peu normal. Est-ce que toi, tu pourrais flinguer? Tu vois plus personne, c'est une blague. Merde. Toi, qu'est-ce que tu vois? 26%, 45%. Allez, vas-y, tu peux le faire. Merde. 53 pour lui, vas-y, tu peux le faire. C'était pas la peine un tir à la tête là. Surtout pour le foirer. Et toi, tu vas te mettre à couvert ici. Affirmatif. Couvert complet, tu vois 3 types. Tu vois qui? Lui, lui et lui. C'est pas des gens qu'on veut ça. Toi, 33 partout. Allez, vas-y, essaie d'en éliminer un. Oh, joli. Joli ça. Hey, ils sont pas si mauvais nos soldats. Hein. Ok, c'est bien. Fais ce genre de truc, ça me va. Ça a pas l'air super puissant et tu prends plein de risques pour faire ça. Continue. Ouh, joli esquive. Bien, 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 bien. Ok, complètement foiré. Ça va, il vise aussi mal que nous. Allez, tu peux t'en faire un 73%. Là. Vas-y, 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 vas-y. Et bim! On est bien. On est bien. Alors, toi, tu vois rien. Si tu t'avances jusque là, tu vois, tu verras peut-être quelque chose. 85% ou 45%. Allez. Oh. Je l'aurai la prochaine fois. Est-ce qu'on essaie de l'assommer? Si tu vas jusque là. Et que t'actives ton super truc là. Non, c'est pas ça. Une chance sur deux de l'assommer. Une chance sur deux de l'assommer. Ou une chance sur deux de tuer les deux. Allez, vas-y, tu peux le faire. Purée! On est pas bon là. Là, on est pas bon du tout. Dernière chance de ce côté-ci. C'est pas lui qu'on veut, c'est l'autre. Allez, avance-toi. Vas-y, tu peux le faire. 63 sur lui, 53 sur l'autre. De toute façon, 63, tu le tueras même pas. Donc, allez, 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 réussi. On a vraiment eu du bug là. Et bim, deux sectoïdes en moins. Il doit plus beaucoup en rester là. Je suis à sec. On les a bien massacrés. Question, où est le... Ah bah voilà, c'était ma question, j'ai vu un truc par là, donc ça doit être en haut. Toi t'es à sec, toi tu t'avances jusque là, tu vois rien, tu recharges. En fait on est tous à sec. Toi tu vas là. Ouh, le tir réflexe. Aïe 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 aïe. Merde. Ça histoire, ça. D'accord. Ça histoire, je m'attendais pas. Je me suis fait surprendre connement. C'est dommage, c'est très très dommage. Pas grand chose qu'on puisse faire pour l'instant, mais bon. J'y suis déjà. C'est dommage, il avait bien survécu là. Et puis. D'où vient ce bruit? Eh ben, on va pas se faire avoir deux fois. Hein. Donc toi tu vas là. Et ok, il est là. Est-ce que tu peux le tuer? 45%. Touché. Ça pourrait être intéressant d'essayer de le capturer. Alors toi tu vas monter sur le toit. Bien reçu, je bouge.
Je vais te mettre à couvert aussi sec. C'est pas le moment de mourir. Et on va pas refaire la même connerie. Tu vas juste aller ici. Et on va essayer un truc. Tu vas lancer une fumigène sur l'autre qui va essayer de capturer la hyène autour d'après. Vigilance. Ok. C'est pas très bon pour nous ça. Parce qu'on va se prendre le tir de vigilance en pleine face si on bouge. Toi tu vas attirer le tir de vigilance. Tu cours jusqu'au couvert. Au pire tu te prends le tir mais tu meurs pas. Ouh, foiré. Bien bien bien. Ennemi repéré. Oups. Oups. C'était pas prévu. Ah, on a perdu l'autre conteneur de mêlée, ça c'est fait. Donc, toi tu captures la hyène. Vas-y. Tu vas te mettre là par exemple. Je bouge. Et tu chopes. 90%, j'en tu foires pas, hein. Youpi, raider. Tu fais moi le malin, hein. Toi tu vois rien, c'est très dommage. Tu vas te mettre là et tu vas te mettre en position défensive. Toi t'es très mal placé, tu vas te mettre en... Ils viennent de par là, tu vas te mettre là. J'y vais tout de suite. Ok, on en a un en vigilance. Que tu ne vois pas, mais tu sers à quoi? T'es sur le toit là. Toi tu vas courir jusque là, normalement tu devrais pas activer le tir de vigilance ici peut-être. On va peut-être faire ça dans cet ordre aussi. 33% de chance, vas-y, tu peux le faire. C'était bien à peine de le toucher, tiens. Toi, tu vas te mettre là plutôt. On va pas prendre trop de risques. Et sniper en vigilance. On n'est pas pressé. On a plus de mêlée à récupérer. T'es pas pressé. Vas-y, sniper, tu peux le faire. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Prenez-en de la graine un petit peu. Eux aussi, ils aiment bien casser les fenêtres. J'ai rien. Cool, tout va bien. Toi, tu vois toujours rien, tu sers à rien. Enfin, non, non. Tu viens de tuer quelqu'un, on va pas dire que ça sert à rien. Tu sers, tu protèges, c'est bien. Toi, tu rentres. Hein. Tu vas ouvrir la deuxième porte et tu vas tirer sur ce petit alien de... 55, tu peux le faire. Bien. Objectif de mission accompli. Ok. Oh. Petite victoire. On a perdu un homme encore. Bon, c'était un nouveau. Mais quand même. Faudrait qu'on évite de perdre nos nouveaux trop souvent. Notre sniper est déjà major, waouh. Ça va les promotions. Tir incapacitant permet au sniper de faire un tir neutralisant l'arme principale de la cible et peut réparer l'arme en utilisant recharger. Ne peut pas infliger de coups critiques. Ça a l'air intéressant. Ou détecteur. Lancer ce dispositif pour créer une nouvelle source de vision pendant 2 tours, utilisable 2 fois par combat. Tir incapacitant, ça pourrait être pratique pour essayer de désarmer des soldats avant de courir vers eux pour les capturer. Est-ce que ça vaut le coup? Le détecteur, ça pourrait être très pratique. Excellente question. On va faire le détecteur quand même. Et un nouveau grenadier. Cool! Et notre sniper, par contre, est blessé pendant 6 jours. Une médaille de combat urbain. On a récupéré un pistolet plasmique, un sectoïde captif. Je sais pas ce qu'on peut en faire.
mais on en a un. Des cadavres, des fragments d'armes, de la magie, tout ça, tout ça. Hausse de la panique en Europe et en Amérique du Sud, mais baisse de la panique en Égypte. N'oubliez pas, nous vous observons. Est-ce qu'on peut vendre des trucs? On pourrait vendre des cadavres de sectoïdes un petit peu, là, récupérer des sous. C'est à peu près tout ce qu'on va vendre pour l'instant. Ok. Et niveau d'alerte, j'aime pas trop. On a 5 pays dans le jaune, un pays dans l'orange. C'est pas génial, génial. Caserne, ils arrivent quand nos gens? Dans 3 jours. Bon, petite pause donc. Au sujet du renommage des soldats, vous avez été plusieurs à me proposer des idées, mais malheureusement, elles ne concordent pas avec les gens expérimentés qu'on a déjà. Donc si jamais vous avez des idées pour nommer ces gens-là, n'hésitez pas. Donc vous avez Martha Koenig, sniper, Amy Walker, grenadière, deux femmes. Notre sniper homme, Mirchi, c'est bon. Une américaine, un et deux. Voilà, deux commandos. Carole. Il y a une femme. Un homme et une femme commando. Donc voilà, donc n'hésitez pas à y renommer tout cela. Vous avez aussi ces trois-ci qui sont pas encore expérimentés, mais qu'on utilisera peut-être bientôt. Et on a surtout pas mal de gens en cours de recrutement. Donc dès que je les aurai, ça vous offrira plus de choix. Et ben voilà, on va faire un petit peu de surveillance d'activité, et puis on arrêtera l'épisode dès qu'on aura un événement. Un vrai événement, ça compte pas. Arme à rayon. Les méthodes utilisées par les extraterrestres pour gérer la consommation d'énergie et la dissipation de chaleur dans leurs armes nous ont permis d'améliorer notre armement laser bien au-delà de nos espérances. Nous disposons désormais d'un prototype fonctionnel et portatif qui a la forme d'une arme de poing, quelque chose jugé d'impossible, c'est pas français, jusqu'à présent, jugé impossible. Il nous a certes fallu réduire la taille des lentilles de visée, mais nous n'avons pas relevé de pertes trop importantes dans les dégâts ou les précisions de l'arme au cours des tests initiaux. Cool. Pistolet laser, fusil laser, pistolet amélioré 2, projet dans la fonderie, d'accord, donc on peut faire des armes laser. Pistolet laser, une arme de poing très puissante qui ne nécessite pas d'être rechargée. Ah, les armes secondaires ne se rechargent pas, c'est vrai. Cool, pistolet amélioré 2, ça fait plus de visée, ça peut être utile, ça me semble plus utile que les chances de coup critique. Fusil laser. Dégâts supplémentaires par rapport au fusil X9, bien. On pourrait essayer de faire ça. Oula, on a des nouvelles recherches. La laser de précision. Arme laser lourde. Donc ça doit être pour remplacer nos snipers laser. Et ça doit être pour remplacer nos mitrailleuses. Peut-être aussi... Je vois pas de fusil à pompe, donc je sais pas comment on fera pour ça. On peut rechercher le fusil plasmique. Ouh, à 20 jours, oui, ben non, on oublie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je serais tenté de continuer sur les armes laser. Faire les armes de précision. Ouais, on va essayer ça. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les nouvelles recrues... Allez, on surveille l'activité. Ah, on a terminé notre nexus, nouveau nexus de satellite, là. Terminal de liaison. Et on a des satellites en construction dans 2 jours. Cool. Est-ce qu'on peut en refaire un autre? C'est peut-être pas le moment. Ah, faudrait peut-être qu'on se fasse des armes laser en fait. Voyons voir. 4 pistolets laser et 2 fusils par exemple. On n'a pas beaucoup de soldats qui utilisent des fusils. Donc 2 ça devrait suffire. Petite cinématique. Allez, montre-nous ce que ça fait. Ah, c'est marrant, c'est un sectoïde du... Blam. Allez. C'était une image de sectoïde du vieux XCOM. Petite référence sympa. Ça a l'air puissant.
pour détruire du carton. Il faudrait peut-être pouvoir refaire des satellites. On a des canons phénix. Est-ce qu'on a équipé nos avions avec des canons phénix? Non, on l'a pas fait. Hein. Ça peut être temps. Quand vous sélectionnez un avion spécifique dans le hangar, vous pouvez modifier son armement selon vos besoins. Missile avalanche, précision 70, portée longue, lent, faible, faible. 95%, vachement plus précis. Portée courte, par contre, cadence de tir rapide. Ouais, ça a l'air plus intéressant. On va prendre ça. 24 heures pour déployer. Et pareil pour l'autre. Voilà qui est fait. Station de surveillance. On n'a pas de satellite à lancer, mais on en aura bientôt. Faudrait qu'on en fasse un de plus, parce qu'on est à 2 sur 5. On va essayer de les déployer peut-être en Asie. On n'a pas trop le choix. Est-ce qu'on peut en refaire un? Production. Satellite 69, ouais. Allez, on va faire un satellite de plus, comme ça on a plus de sous. Le rapport du conseil est dans 16 jours. Et on va regarder, finir là-dessus sur la caserne. Voilà la liste des nouveaux soldats. Regardez bien les nationalités et les noms. N'hésitez pas pour vos suggestions. Vous pouvez renommer n'importe qui si vous avez une idée de nationalité particulière. Pour les classes, je sais pas encore, hein, ça viendra ce qui viendra. Faites attention si ce sont des femmes ou des hommes aussi. On n'en a pas plus que ça. Il me semblait qu'on en avait recruté plus que ça. Oui, on en a beaucoup en fait. On va faire comme ça. On va faire smooth. Regardez bien, regardez bien. Voilà tout ce qu'on a. À vos crayons, montrez-moi votre imagination. Et bien voilà, c'était le Cafard Critique pour le 6ème épisode du Let's Play XCOM Enemy Within. J'espère que cette série vous plaît. En tout cas, moi, je me plais beaucoup pour l'instant. Je suis assez satisfait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!